veux passer à l'action dans la rue, sois libre comme l'air. Tout ce qui est entré dans ta vie, tu dois pouvoir t'en débarrasser en 30 secondes, montre en main, avant que ça se mette à chauffer dans le coin. En plein cœur de Los Angeles. Tu reconnais leur méthode ? Leur méthode, c'est d'être des pros. Si tu crois que ces mecs vont marquer un essai et passer à autre chose, moi, j'en doute. Un inspecteur de police implacable est sur la piste. Où est-ce qu'on en est ? D'un voleur professionnel. Tu es le fugitif numéro 1 et tu es blessé, ça double les risques. Faux, ça quadruple les risques et je suis deux fois plus dangereux que ton pire cauchemar. Allez ! Et de son complice prêt à tout. La banque justifie les risques. On devrait se la faire. Je veux une surveillance à plein temps, 24 heures sur 24, de nuit comme de jour, ouvert même le dimanche. Suppose qu'ils connaissent notre numéro, suppose qu'ils connaissent notre adresse, suppose qu'ils nous connaissent. Bang, bye bye. Il redoublait d'audace à chaque tentative. Il y a combien, en gros ? Plus de 12 millions. Je marche. Mais un flic... Il est là, je le sens à plein nez. ...était à leur trousse. Quel que soit leur prochain objectif, je crois qu'ils vont avoir la surprise du siècle. Bientôt, pour la première fois à l'écran, Al Pacino et Robert De Niro, tous deux récompensés aux Oscars, s'affrontent. Si je suis sur place, et si je dois te neutraliser, j'aurai pas le choix. Je serai forcé de te descendre. Et admettons que tu m'aies coincé, et que moi j'ai pas le choix, parce que jamais je ne te laisserai me barrer la route. Ne crois pas que j'hésiterai. Pas une seconde. Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer, dans un film de Michael Mann. Heat.